Janus 22, l'inversion de la masse dans les étoiles à neutrons, une alternative au modèle du trou noir, seconde partie. Je vais donc vous raconter toute cette histoire. En ce début de siècle, l'actualité scientifique en physique tourne beaucoup autour d'Allemands, de Hollandais, un petit peu de Français et puis quelques Anglais. Les Allemands, ça tourne autour de l'université de Göttingen avec deux personnages centraux qui sont Albert Einstein et le mathématicien David Hilbert. Les médias américains, qui aiment bien concentrer l'attention sur une star, ont beaucoup fait pour faire de Einstein une personnalité tout à fait exceptionnelle, et il faut dire qu'Einstein a très vite accepté de jouer ce rôle-là. Ainsi, le grand public s'est longtemps imaginé que Einstein était quelqu'un de complètement singulier, qui était l'auteur de calculs tellement compliqués que très peu de gens dans le monde étaient capables de les comprendre. Et c'est une idée complètement fausse, parce que à l'époque où cette science a émergé, il y avait quand même une brochette de scientifiques en Allemagne, en Hollande, en France, en Angleterre, qui étaient parfaitement capables de comprendre et de suivre ces calculs, qui allait constituer la base de ce qu'on appellera plus tard la cosmologie et la physique théorique. Mais Einstein possédait par rapport à ses contemporains une exceptionnelle intuition physique. C'est d'ailleurs assez bien rendu dans la série Janus où on voit qu'il réfléchit énormément depuis son plus jeune âge sur tous les phénomènes physiques. Einstein, c'est un physicien qui a utilisé les mathématiques de son temps. Dans la direction opposée, on trouvait le mathématicien David Hilbert, un génie des mathématiques, et justement qui s'est intéressé à la physique après avoir rencontré Einstein en 1915. Et ça a entraîné chez lui un changement complet d'orientation, puisqu'il y a une anecdote très amusante. À cette époque, le mathématicien Félix Klein donnait chaque année une conférence devant des ingénieurs dans une école. Et puis une année, il a été malade et Hilbert l'a remplacé. Et alors Hilbert, on raconte qu'il est arrivé en disant aux ingénieurs: on a tendance à dire que les mathématiciens et les physiciens ont du mal à s'entendre. Ça n'est pas vrai. Ils n'ont simplement rien à faire ensemble. Alors, lorsqu'il rencontre Einstein, Hilbert, c'est un choc pour lui. Il s'aperçoit qu'il y a vraiment un terrain de jeu fantastique pour ses mathématiques. Donc, il s'y met. Et puis, comme il a un outillage mathématique considérable que le pauvre Einstein ne possède pas, parce que Einstein, c'est surtout son ami Grossmann qui l'aide à mettre en forme ses intuitions, quoi. Il faut se rappeler une chose, c'est qu'à cette époque, on n'a pas la moindre idée de choses comme l'interaction forte, l'interaction faible. Donc, il y a essentiellement deux forces qui régissent l'univers. C'est la gravitation et l'électromagnétisme. Hilbert assimile très vite toutes les techniques mathématiques qui ont été utilisées par les physiciens pour bricoler différentes choses. Et il y envisage tout de suite de créer cette matrice qui crée le monde. Donc, il commence à rédiger un article qui s'appelle Les fondements de la physique. Voilà l'article qui porte ce titre et qu'il présente en novembre 1915 aux annales de l'Académie scientifique de Prusse. Et ces fondements de la physique, ben ça, c'est censé déboucher sur une équation de champ qui contient à la fois la gravitation et l'électromagnétisme. C'est donc la course entre Einstein et Hilbert. Einstein est très inquiet parce que Hilbert l'a rattrapé à une vitesse folle. Il n'y a qu'à regarder les dates. Effectuons un zoom sur l'article que nous avons évoqué tout à l'heure. De quand date-t-il? Il est du 20 novembre 1915. Et Einstein se dépêche et 5 jours plus tard, le 25 novembre 1915, il publie son fameux article. Alors regardez, Feld c'est le champ, Gleichung c'est l'équation. Feld Gleichungen, c'est l'équation de champ de la gravitation. Donc c'est l'équation qui va orienter toute la cosmologie pendant un siècle. Alors on en parle beaucoup, mais la voilà telle que se présente dans cet article de 1915. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup étonné en lisant tous ces articles, c'est que la façon dont ils sont écrits, c'est exactement la même chose que nous faisons maintenant. C'est même la même typographie, les mêmes caractères. Ça se lit complètement à livre ouvert. Et ça veut dire simplement une chose, c'est qu'en 1915, tous les outils mathématiques étaient au point, avaient été créés dans les quelques décennies précédentes. Voilà donc cette équation de champ qui est publiée le 25 novembre. Mais le 18 novembre, une semaine avant, Einstein publie une solution de cette équation de champ. Bizarre, comment est-ce qu'il peut publier une solution alors qu'il n'a pas l'équation? Ben, en fait, il avait une équation mais qui marchait sans second membre. Et c'est cette équation qui décrit
ce qui se passe dans le vide. Et à ce moment-là, le 18 novembre, il publie une solution approchée de cette équation qui lui permet de rendre compte de l'avance du périhélie de Mercure, de ce petit écart qu'il y a par rapport à la mécanique newtonienne. Regardez ce que j'ai mis en haut, en rouge. La première traduction date de 1975. 60 années se seront écoulées avant que les gens qui ne lisent pas couramment l'allemand puissent prendre connaissance de ces textes dans leur version originale. Et vous verrez que des tas de choses vont découler de ce retard à la traduction des papiers originaux en allemand. Ainsi, à 2 mois près, c'est Einstein qui arrive le premier pour expliquer justement cette avance du périhélie. Vous savez peut-être qu'Einstein a eu le prix Nobel parce qu'il a été le premier à interpréter l'effet photoélectrique. Donc c'était un fantastique physicien. Mais dans les faits, Einstein est aussi un très bon astronome. C'est dommage qu'il ait raté le train de la mécanique quantique. Pour illustrer mon propos, on va être obligé de faire un peu d'arithmétique. Vous affolez pas, c'est rien du tout. Voilà, ici j'ai un graphique avec un quadrillage, et puis j'ai tracé un cercle. Et finalement, un cercle, c'est une courbe qui est définie par une équation. Oh, l'équation est compliquée. x2 plus y2 égale 25. C'est quoi ça? C'est l'équation des points d'un cercle dont le rayon est 5. Alors effectivement, ça me donne aussi y égale plus ou moins racine de 25 moins x2. Pourquoi plus ou moins? Parce que pour chaque valeur de x, j'ai deux valeurs de y qui sont symétriques par rapport à l'axe x. Alors maintenant, si je fais x égale 3, ça me donne y égale plus ou moins racine de 25 moins 3 au carré, moins 9, ça fait plus ou moins racine de 16, ça fait plus ou moins 4. Je jette un œil à mon graphique, lorsque x égale plus 3, je trouve deux valeurs de y, plus 4 et moins 4, les points sont bien sur mon cercle, tout va bien. Vous devez vous dire à quoi il joue là. Ah, vous allez voir. Bien, faisons un nouvel essai, prenons x égale plus 4, eh bien je trouve à ce moment-là y égale plus ou moins 3, les points sont toujours sur le cercle, tout va bien. Mais, bien, maintenant, prenons par exemple, disons, x égale 7, ça me fait y égale plus ou moins racine de 25 moins 49, autrement dit, plus ou moins racine de moins 24, ouh là là. La racine carrée d'un nombre négatif, ça je ne sais pas faire. Vous raisonnez en physicien. En mathématiques, on ne s'arrête pas à un tel détail, par exemple pour résoudre une équation du troisième degré. C'est Jérôme Cardano, un Italien, en français Cardan. C'est un ami de Léonard de Vinci, joueur invétéré. Il s'inspira du mode de fixation des compas sur les navires pour inventer la jonction Cardan, qui porte son nom, qui lui aurait rapporté une fortune s'il avait pu la breveter. Il prétend recevoir des messages pendant ses rêves, et c'est ainsi qu'il invente le nombre i égale racine de moins 1 pour résoudre une équation. Passionné d'astrologie, il se hasarde à calculer l'horoscope de Jésus-Christ, il est aussitôt emprisonné et accusé d'hérésie, il s'en tire de justesse en payant une amende de 1800 écus d'or et en s'empressant d'abjurer. Revenons à notre problème de tout à l'heure, avec notre graphique et notre solution dans lequel y égale racine de moins 24. Un bête physicien, arrivé là, il s'arrête, quoi. Mais les mathématiciens ne font pas ça. Ils disent, mais on va utiliser ce nombre magique inventé par M. Cardan. Donc, soit à calculer racine de moins 24, bon, j'ai i égale racine de moins 1, ce qui veut dire aussi que i2 égale moins 1. Donc, moins 24, c'est i2 que multiplie 24. Donc, racine de moins 24, eh bien, c'est i racine de 24, et ça fait 4,9i. Donc, voilà la solution. J'ai des ordonnées qui sont plus ou moins racine de moins 24, ça fait plus ou moins 4,9i. Alors, le physicien, très impressionné par le calcul que vient de lui faire le mathématicien, lui dira... Alors si je comprends bien, l'ordonnée, c'est plus 4,9i et moins 4,9i. Mais alors où est-ce que ça se situe dans mon graphique? Mon ami, mais ce sont des points imaginaires. Vous, les physiciens, vous voulez toujours mettre les choses sous les yeux comme ça. Mais non. Bon, reprenons notre cercle de tout à l'heure. Imaginons qu'on le met dans un plan vertical XOZ, un peu décalé par rapport à l'axe Z. Ici, j'ai deux traits rouges verticaux.
L'un coupe le cercle et l'autre ne le coupe pas. Ensuite, je fais tourner tout ça autour de l'axe Z. Alors, qu'est-ce que j'obtiendrai? Ben, le cercle va engendrer un tore, et puis les segments rouges, ils vont engendrer des cylindres. Alors, à ce moment-là, on voit bien ça sur la figure. Soit le cylindre coupe le tore, soit il ne le coupe pas. Là, j'ai projeté mon tore dans le plan XOZ, ou appelons-le ROZ, puisque R, c'est une distance radiale. Petit r, c'est le rayon du cylindre. Donc là, vous voyez l'axe, vous voyez un cercle qui est le cercle générateur du tore, et puis j'ai fait figurer une distance radiale R égale alpha, qui est la distance par rapport à l'axe du cercle de gorge du tore. Et si je l'ai appelé alpha, c'est pas du tout par hasard. Là, en rouge, j'ai fait figurer la génératrice d'un cylindre qui a un rayon petit r. Et puis je me suis arrangé pour que ce cylindre coupe le cercle. Ce cylindre va couper le tore selon deux cercles situés dans des plans horizontaux. Alors si j'ai tous les paramètres, si j'ai le rayon du cercle de gorge, si j'ai le rayon du cercle générateur, si j'ai cette distance petit r, alors je pourrais calculer les cotes plus z1 et moins z1 des plans dans lesquels se trouveront les cercles qui représentent l'intersection du cylindre avec mon tore. Maintenant, que va-t-il se passer si le rayon petit r de mon cylindre est inférieur au rayon du cercle de gorge? Alors le physicien dira, le cylindre ne coupe pas le tore. Mais le mathématicien dira, pas du tout. Ce cylindre coupe le tore dans deux plans imaginaires, de cotes imaginaires plus z et moins z, et selon des cercles imaginaires qui sont situés dans ces plans imaginaires. Dans le monde des mathématiques, il y a des tas de domaines qui font penser à Alice au pays des merveilles. Et là, j'ai dessiné l'histoire d'un garagiste fou qui essaye de coller une rustine sur une chambre à air près de l'axe. Et il est en compagnie d'Alice, du chapelier et du lapin. Mais le mathématicien dirait, il s'y prend mal, il arriverait très bien à faire ça avec une rustine imaginaire. Revenons à nos problèmes de relativité générale. Voilà l'équation d'Einstein. Et qu'est-ce que c'est qu'une solution de l'équation d'Einstein? Eh bien, c'est un objet géométrique. C'est une hypersurface à quatre dimensions qui est définie par ce qu'on appelle sa métrique. Sa métrique, c'est-à-dire une façon qu'on donne de calculer la distance parcourue quand on se déplace sur cette surface. Alors, ce qui est un peu difficile à comprendre, c'est que la solution, l'hypersurface à quatre dimensions, eh bien, elle existe indépendamment du jeu de coordonnées qu'on utilise pour la décrire. Et pour les mathématiques, on a besoin d'un jeu de coordonnées. Mais les objets existent sans ça. Par exemple, vous regardez une poule qui pond un œuf, il n'y a pas de coordonnées sur l'œuf, hein. Enfin, moi personnellement, j'en ai jamais vu, quoi, hein. Les poules les sortent comme ça. Après, c'est les mathématiciens qui mettent des méridiens et des parallèles et qui créent ce qu'on appelle une singularité de coordonnées. Par exemple, comme le pôle. Mais il n'y a pas de singularité. Un œuf de poule, c'est exempt de toute singularité géométrique. Et c'est pareil pour la sphère terrestre. Tous les explorateurs qui sont allés au pôle nord ou au pôle sud, ils n'ont trouvé aucune singularité de coordonnées. Il y a juste de la glace, c'est tout. Ce sont les cartographes qui ont fabriqué ces singularités. Alors, l'équation d'Einstein, c'est une sorte de mère poule qui va nous pondre une forme géométrique, une hypersurface à quatre dimensions qui va être décrite dans des coordonnées, et puis c'est à nous de la lire. Alors, cette solution, eh bien, ce qu'elle a à la base, c'est qu'elle a des symétries. C'est-à-dire, par exemple, la solution de Schwarzschild, eh bien, elle a une symétrie sphérique, et puis elle est stationnaire. Simplement ces deux hypothèses-là. Alors après, ben, on exprime ça avec des coordonnées, et crac, voilà le produit qui sort. Après, il faut savoir le lire. Une solution de l'équation d'Einstein, c'est une hypersurface à quatre dimensions qui est définie par sa métrique. Alors, je vais donner un exemple simple d'un objet qui est défini par sa métrique. Là, c'est un objet à deux dimensions, donc c'est une surface, et il est donné par cette métrique qui est exprimée avec deux coordonnées qui sont grand R et phi. Alors, comment peut-on se servir d'une métrique? Eh bien, c'est une opération qui permet de calculer la longueur qu'on parcourt lorsqu'on fait un petit déplacement sur la surface. Donc, supposons que nous soyons à un endroit R, phi, et puis je décide de me déplacer de dr et de dφ. Eh bien, à ce moment-là, je vais parcourir une petite distance ds, et elle est donnée par cette expression. Alors, on sent tout de suite que c'est un objet qui doit avoir une symétrie de révolution. Grand R et phi, ça ressemble à des coordonnées polaires.
Alors, vous devez vous dire tout de suite, c'est bizarre, une coordonnée polaire avec une lettre grand R, d'habitude on met un petit R. Pourquoi il met un grand R? Ah, il y a une raison à ça, mais vous verrez plus tard. Comment découvrir la surface qui se cache sous cette espèce de formule magique? Bon, ben c'est très simple. On va se déplacer à R constant et puis après à phi constant. Voilà, on commence par grand R constant. Alors, se déplacer à grand R constant, ça veut dire qu'il n'y a pas de variation dr, donc dr est nul. Bon, alors? Donc à ce moment-là, je me déplace et j'ai ds2 égale r2 d phi 2, ou plus simplement ds égale r d phi. Alors si je décide que phi est un angle, je peux intégrer phi de 0 à 2 pi et j'aurai un périmètre qui sera simplement p égale 2 pi grand R. Eh bien, nous avons découvert que sur une surface de révolution, on peut trouver des trajectoires qui sont des cercles parallèles. Et vous savez, en mathématiques, ça consiste souvent à enfoncer les portes ouvertes. Le problème, c'est de trouver la bonne direction. Parce que si la porte n'est pas ouverte, c'est un mur. Enfin, vous verrez ce qui arrive quand on se trompe de porte. Maintenant, on reprend notre métrique et on va envisager de se déplacer à phi constant. Alors, à ce moment-là, d phi est nul. Et à ce moment-là, ma métrique s'écrit comme ça. Alpha, c'est une longueur. C'est une longueur, je vais la prendre positive. Donc je vois tout de suite une chose, c'est que si R est supérieur à alpha, ds2 est positif. Donc S est réel. Par contre, quand R est inférieur à alpha, mon ds2 est négatif. Autrement dit, S est imaginaire pur. Vous avez vu ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'on est en dehors de la surface. Ça veut dire que pour R inférieur à alpha, eh bien dans cette région d'espace, la surface n'existe pas. Continuons notre investigation simplement en regardant cette métrique de cette surface inconnue. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une famille de cercles de périmètre de pi r. Bon, j'ai aucun problème en faisant tendre grand R vers l'infini. Par contre, il y a une limite inférieure qui est alpha. Donc, autrement dit, on a des cercles parallèles et le périmètre de ce cercle a une valeur minimum de pi alpha. On dit que cet objet géométrique n'est pas contractile. Est-ce qu'on a déjà vu une surface qui n'est pas contractile? Ben bien sûr, le tore. Sur le tore, vous pouvez tracer toute une famille de cercles. Mais il y a un moment où le périmètre de ces cercles, s'ils enserrent le cercle de gorge, eh ben ça coince. Et à ce moment-là, il y a un périmètre minimum, il y a aussi un périmètre maximum. Donc cette surface, ce n'est pas le tore. Puisque là, on peut amener le périmètre à la valeur qu'on veut. Alors, elle est voisine du tore, mais ce n'est pas le tore, donc je vous la montrerai tout à l'heure. Il se trouve que cette surface-là, elle se prête à un plongement dans R3. On peut la représenter dans l'espace tridimensionnel. Mais ce n'est pas le cas de toutes les surfaces qui sont définies par des métriques, loin s'en faut. Je vais vous produire une autre surface à deux dimensions qui n'est pas contractile. Alors voilà sa métrique, c'est ds2 égale dz2 plus r2 dφ 2, phi étant un angle. Bon, alors évidemment, on se dit, je ne sais pas ce que c'est que cette surface, mais. Si je fais z égale constante, il me reste ds égale r d phi. Ok, ben j'ai un périmètre minimum qui est 2 pi r. Mais qu'est-ce que c'est que cette surface? Ben c'est un cylindre. C'est un cylindre, alors je peux le mettre dans un espace euclidien x, y, z, voilà, plongé. Sur ce cylindre, je peux tracer évidemment toutes les courbes qui me passent par la tête. Et parmi toutes ces courbes, eh bien, il y en a des courbes particulières qui sont les géodésiques, qui sont un peu les lignes de plus court chemin. Alors, il y a une géodésique, par exemple, c'est le cercle qui entoure le cylindre. Et puis, il y a aussi les spirales qui s'enroulent le long du cylindre. Puis, il y a une spirale particulière qui ne s'enroule pas. Eh bien, on appellera ça une génératrice du cylindre, en rouge. Et puis, je peux aussi tracer une courbe fermée. Alors, cette courbe fermée, si elle fait le tour de l'objet, en haut, la courbe fait le tour de l'objet de façon quelconque. Mais on voit qu'on peut faire glisser cette courbe sur cet objet géométrique et qu'il y a un périmètre minimum qui est de pi r. Donc un cylindre, c'est un objet géométrique qui n'est pas contractile. Maintenant, je vais amener un concept très général. J'ai donc un objet géométrique, une surface ou une hypersurface qui est décrite par 2, 3, 4, n dimensions. Et puis aussi par sa métrique. Sa métrique, c'est une suite de des x, des y, des z, des etc. au carré. Eh bien, si je peux trouver un jeu de coordonnées dans lequel ce soit une suite dx2 plus dy2 plus dz2 plus etc.,
Eh bien, je dirais que cet objet géométrique a une géométrie euclidienne. Reprenons la métrique du cylindre. Mon cylindre voit sa métrique exprimée dans un jeu particulier de coordonnées, qui sont z et phi. Alors je peux prendre un autre jeu de coordonnées. Disons qu'en prenant phi comme c'était un angle, c'était facile pour montrer la symétrie qui était associée à ce cylindre. Mais une métrique peut être exprimée avec n'importe quel choix de coordonnées. Donc je vais prendre une autre coordonnée u, puis je vais faire un changement de variable très simple, je vais écrire r phi égale u. Alors à ce moment-là, ma métrique devient ds2 égale dz2 plus du2. Donc le cylindre est euclidien. Comment le cylindre est euclidien? Mais il est rondouillard. Ah non, non, non. Cette courbure, c'est dû au plongement. C'est parce que vous avez décidé de le représenter dans un espace euclidien XYZ. Donc il y a une sorte de courbure induite par le plongement. Alors ce qui est très difficile en géométrie, c'est de faire la part entre ce qui est la propriété intrinsèque de l'objet et puis ce qui est dû à la façon dont on se le représente, la façon dont on l'immerge, dont on le plonge dans quelque chose pour essayer de le comprendre. Bon. Donc vous voyez qu'on est en train de refaire avec des crottes de mouche ce que je vous ai montré avec du carton, du scotch, de la ficelle et des choses comme ça. Mais avouez que mes crottes de mouche, elles ne sont pas bien méchantes. Hein. Il y a des littéraires qui m'écrivent « Même nous, on suit ». À ce moment-là, je vais être obligé d'aller un petit peu aux crottes de mouche parce que je vais faire du tridimensionnel, du quadridimensionnel, et là, on ne peut plus dessiner. Maintenant, il faut bien que vous compreniez, c'est que ce cylindre, c'est une surface. Elle a ses propriétés intrinsèques de ne pas être contractile, mais le fait de mettre un axe, ça, c'est uniquement dû au plongement. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse dans la suite, c'est que lorsqu'on a un objet défini par sa métrique, il faut arriver à comprendre ce qui est intrinsèque et ce qui est lié à la façon dont on se le représente, c'est-à-dire au choix qu'on a fait des coordonnées, qui représentent un espace dans lequel on met cet objet. C'est pas sûr que ce soit le bon. Maintenant, on va pousser un cran plus loin. Vous êtes prêts? Pourquoi ne pas envisager une hypersurface en trois dimensions, avec grand R, grand θ, grand φ? Voilà cette métrique. Il s'agit donc d'une hypersurface à trois dimensions. C'est la première fois que vous voyez la métrique d'une hypersurface. Comme ça, alors il y a trois variables, grand R, θ et φ. Θ et φ, oh, c'est des angles. C'est une symétrie sphérique là-dessous, oui. Ça sent la sphère. Hein. Alors effectivement, on va étudier cette surface en gardant constante une des dimensions. Par exemple, on va commencer par prendre grand R égale constant. Alors si on prend grand R égale constante, bien, on va faire un feuilletage. C'est-à-dire que là, on a une surface à trois dimensions et on va la feuilleter par une famille de surface à deux dimensions. De même que quand on était parti tout à l'heure de la surface à deux dimensions, eh bien on l'avait feuilleté par des cercles. Alors vous remarquerez en faisant allusion à des choses que j'ai déjà dites plus tôt, c'est que le feuilletage c'est l'opération inverse de la fibration. La fibration c'est quand on rajoute une dimension et le feuilletage c'est quand on découpe les tranches de saucisson et la fibration c'est quand on empile les crêpes. Alors revenons au problème qu'on s'est posé, on a une surface à trois dimensions qui est définie par sa métrique, la voilà, et puis on fait R égale constante, et à ce moment-là, on a un feuilletage avec des surfaces à deux dimensions qui sont définies par cette métrique. Alors qu'est-ce que c'est que ces surfaces? Ben là, encore, on peut s'amuser à les feuilleter avec des courbes qui sont des cercles, puisque θ et φ, on a décidé que c'est des angles. Donc si je fais θ égale constante, je vais avoir une famille de cercles, des cercles qui auront comme périmètre 2πr sinus θ, et qui formeront une famille de cercles, de cette surface définie par sa métrique. Si je fais φ égale constante, je vais avoir aussi une famille de cercles. Et ces familles de cercles, eh bien, ce sont les méridiens et les parallèles d'une sphère. Alors là, je présente la sphère sur l'écran. Vous voyez qu'elle n'a ni pôle, ni singularité de coordonnées, mais comment fait-on pour se repérer sur cette sphère, pour arriver à positionner un point? Il nous faut des coordonnées. Les coordonnées, ça va être deux familles de courbes. Alors les premières, ben, on va prendre des cercles comme ceci. Des cercles qui sont des grands cercles, c'est-à-dire que c'est des géodésiques. Les cercles qui ont la plus grande extension possible sur la sphère. Bon, là j'en ai mis un. Après, je vais mettre un deuxième, et vous voyez que je vais repérer ces cercles avec un paramètre qui est l'angle phi. Ici, j'ai mis toute une flopée de cercles,
Et finalement, ça va me donner les méridiens d'une sphère. Les méridiens qui découpent une sphère comme des quartiers d'orange. Et le long de ces méridiens, on repère la position d'un point avec un autre paramètre angulaire qui est l'angle θ. Vous voyez que dans cette façon de faire qu'ont les mathématiciens, ils font partir θ égale 0 du pôle Nord. Hein. Donc c'est pas la latitude, c'est un angle qui permet de repérer donc ces parallèles de la sphère. Alors voilà l'image synthétique qui vous montre ce repérage. Vous avez un équateur, puis vous avez cet angle θ qui part du pôle. Donc θ égale pi sur 2, c'est l'équateur. θ égale pi, c'est le pôle sud. Et puis vous avez cet angle phi qui court au contraire le long de l'équateur. Et ça nous permet de repérer un point M. Ici, je représente les cercles qui correspondent à une valeur θ égale constante. Et vous voyez que ces cercles, ce ne sont pas des géodésiques, hein, attention. Ce sont des cercles qui ont un rayon R sinus θ. Maintenant, je donne à la position d'un point M un accroissement pour l'emmener en M'. Alors cet accroissement, il y a un accroissement des phi, puis il y a un accroissement dθ. Donc ça me donne une espèce de petit rectangle comme ça. Alors j'applique le théorème de Pythagore. La diagonale, c'est l'hypoténuse d'un petit triangle rectangle qui a pour côté R dθ et R sinus θ des phi. Donc ça me fait dS2 égale R2 dθ2 plus R2 sinus carré θ des phi 2. Autrement dit, je suis parti de l'objet sphère et j'ai construit une représentation métrique de cette sphère dans un certain système de coordonnées. Et vous voyez que avec les hypersurfaces issues de l'équation d'Einstein, on cherche à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on a la métrique et on cherche à comprendre quel est l'objet qui est derrière. À travers cet exercice de construction d'une représentation métrique de la sphère, on a créé deux pôles. C'est-à-dire qu'on a créé des singularités qui n'existent pas sur la sphère. Ce sont des singularités de coordonnées. Pourquoi est-ce que c'est singulier? Imaginez les explorateurs qui arrivent au pôle Nord. Eh bien, quand ils sont là, Perry, le chef des explorateurs, dit, voilà, nous sommes au pôle Nord, donc nous sommes à θ égale 0. Seulement, je ne sais pas définir la longitude phi. J'ai dit aussi que les métriques pouvaient s'exprimer avec différents jeux de coordonnées. Et là, on a pris une coordonnée pour repérer les parallèles qui part du pôle, un angle θ. Ah. Si on prenait la latitude, la latitude c'est quoi? C'est pi moins θ. Alors on va appeler ça bêta. Et à ce moment-là, on va avoir sinus θ égale cosinus bêta. Alors, la métrique s'écrit dS2 égale R2 dθ2 plus cosinus carré bêta dφ2. Vous me direz, ça c'est un changement de variable assez trivial. Mais on peut envisager des choses plus sophistiquées. Regardez par exemple cette façon de cartographier la sphère avec un seul pôle. Et là, effectivement, on a deux familles de cercles qui donnent à ce moment-là un repérage des points. Alors j'écris pas la métrique, elle aurait certainement une forme plus compliquée. Mais ça illustre simplement le fait que la métrique qui se réfère à une surface peut prendre une infinité de formes en fonction de l'infinité possible du choix de coordonnées. Bien, revenons à notre hypersurface à trois dimensions définie par sa métrique en R θ phi. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on vient d'étudier avant? C'est que lorsqu'on fait des coupes dans cette hypersurface avec R égale constante, eh bien, on obtient des sphères. Alors, c'est une famille de sphères parallèles. Attention, j'ai pas dit concentrique. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Revenons à notre métrique de cette hypersurface. Cette fois, on va prendre des trajectoires avec θ et phi constants. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, lorsque grand R est inférieur à alpha, le dS2 est imaginaire. Autrement dit, on est en dehors de cette hypersurface. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette hypersurface n'est pas contractile. Alors tout à l'heure, on avait vu des cercles qui avaient un périmètre minimum, et là, on aura des sphères qui ont une aire minimale. Notre hypersurface à trois dimensions, c'est aussi un espace 3D. Alors les espaces 3D, nous, qu'ils soient courbes ou pas courbes, on a quand même l'habitude qu'ils soient contractiles. Ça veut dire quoi être contractile? Ça veut dire que si à l'endroit, vous figurez une sphère, et que vous mettez des sphères parallèles à l'intérieur, un peu comme les poupées russes, eh bien vous pourrez amener l'aire de ces sphères à zéro. Et un espace non contractile, eh bien vous êtes bloqué.
Et ça, je peux vous dire la chose suivante, c'est que les Cosmic Men d'aujourd'hui, ils comprennent strictement rien. On va revenir à notre surface 2D définie par ces métriques que je vous avais montrées tout à l'heure et je vous avais promis que je vous la montrerai. Alors là, pareil, eh bien, lorsque R est inférieur à alpha, on est bloqué, le cercle a un périmètre minimum. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une surface qui a un bord circulaire. À partir de maintenant, mon discours va se situer à deux niveaux. Disons que pour exploiter ce que je vais dire au mieux, il faudrait quand même avoir un petit peu des notions de mathématiques. Donc, le grand public pourra se contenter d'une compréhension analogique, et puis des gens qui sont des étudiants, des ingénieurs, ils pourront suivre le détail de tout ce qui va suivre. Et à leur intention, je crée un fichier PDF qu'ils pourront appeler à partir de la vidéo et où ils auront tous ces détails. La surface qui est définie par cette métrique est un objet à deux dimensions. Bien, on va envisager de la plonger dans un espace à trois dimensions euclidien. Alors, avec deux dimensions, on était avec des coordonnées grand R et phi, et là, on va rajouter une dimension z. Je voudrais insister sur quelque chose d'absolument essentiel. Il faut bien vous dire que les écritures mathématiques, les crottes de mouche, les x, les y, les sinus et cosinus, c'est rien. C'est la façon qu'on a d'écrire des idées, de les concrétiser. Mais si on n'a pas la perception du concept, ça sert à rien. Actuellement, en physique théorique, vous avez des gens qui se livrent à des orgies de calcul. Ils savent même pas ce qu'ils font. Ils n'ont aucune intuition de leur travail. Personnellement, j'ai vu passer une collection de surdoués qui étaient rentrés à 19 ans à Normale Sup ou à Polytechnique et qui semblaient capables d'avaler n'importe quoi, mais pas du tout. Ça me suggère le principe d'incertitude de Jean-Pierre Petit, le produit de la capacité à faire des calculs compliqués par l'intuition est une constante. Là, je vais faire appel à votre intuition géométrique et les gens sont très inégalement dotés sur ce plan. C'est comme ça. Alors, ce qui sous-tend toute cette démarche, c'est la différence qu'il y a entre la nature propre d'un objet géométrique et la façon dont on le représente. Par exemple, je vous ai parlé du cylindre, et ce cylindre, ben évidemment, tout de suite, on le représente dans un espace à trois dimensions, avec un axe de rotation. Or, il n'a pas d'axe de rotation. C'est un objet topologique. Je vous ai montré qu'il était euclidien, alors qu'on lui perçoit des rondeurs. Qui ne sont que des conséquences de la façon dont on le représente. Vous savez, le concept d'objet géométrique défini par sa métrique, c'est pas quelque chose avec laquelle les gens sont très à l'aise, à commencer par les physiciens théoriciens et les cosmologistes. Alors là, effectivement, on a un objet qui est défini par cette métrique. Comme phi est un angle, eh bien, on se dira que c'est un objet de révolution. Et on sera tenté de le représenter de cette façon. Et vous remarquez que cette surface, elle ne s'approche pas de cet axe plus que la distance alpha. Et comme je ne sais pas si ma surface possède ou non un bord, à tout hasard, j'ai fait figurer un cercle de rayon alpha. Sur mes deux surfaces de révolution, à gauche le cylindre, à droite ma surface inconnue, j'ai fait figurer avec un trait gras. Les courbes méridiennes, ce sont les courbes qui engendrent la surface quand on procède à une rotation. Pour le cylindre, c'est sans mystère, c'est une bête droite verticale. Par contre, pour ma surface inconnue à droite, c'est une courbe que j'aimerais bien déterminer. Alors, à droite, la surface qu'on cherche à construire, et puis à gauche, la métrique dont elle est issue. Alors, cette métrique, elle est écrite avec des coordonnées grand R et phi. Ça, c'est des coordonnées polaires. Donc, on va passer à un système de coordonnées qu'on appelle cylindrique, avec grand R, phi et z. La méridienne, cette courbe en trait un peu accusée, se trouve dans un plan qui contient l'axe z et que j'ai représenté ici en bleu ciel. Si on se déplace le long de cette méridienne, on est à phi constant, donc dφ est nul. Alors, ça correspond à l'expression qui est à gauche. Représentons cette courbe en trait foncé, la méridienne, dans le plan qui la contient, c'est-à-dire dans le plan R au Z. Et puis sur cette courbe, on considère un petit segment qui correspond à des accroissements dR, dZ. Et puis on a dS2 égale dR2 plus dZ2. Formidable! J'obtiens le carré de l'élément de longueur exprimé de deux façons différentes. Donc je pourrais égaler ces deux expressions. Et j'obtiendrai ainsi une équation
qui me permettra de déterminer la forme de la méridienne. Bon, là, je vais demander à ceux qui n'aiment pas les mathématiques de fermer les yeux. Je leur dirai quand ce sera fini. Pour les autres, eh bien, le calcul se déroule sous vos yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, c'est fini. Vous pouvez rouvrir les yeux. On a donc, à l'issue de ce petit calcul, une relation qui donne R en fonction de Z. C'est plus facile que de trouver Z en fonction de R. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fonction R de Z? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une parabole couchée. Alors, quand on va faire tourner cette parabole autour de l'axe Z, elle va engendrer une surface qu'on appelle un diabolo. Alors, ce diabolo, ben, ça a une topologie un peu particulière. Voilà une surface qui n'est pas contractile. Elle a un cercle de gorge en R égale alpha. On aurait pu croire que c'était une surface qui avait un bord, qui se serait terminée sur le cercle de périmètre de pi alpha. Ben non, pas du tout. Elle a une deuxième nappe en dessous. Et ça, c'était pas du tout apparent quand on regardait sa métrique. Vous voyez donc qu'une métrique contient des informations concernant la topologie de la surface ou de l'hypersurface qu'elle est censée décrire. Et ça, ça n'est absolument pas perçu par les gens qui font de la cosmologie aujourd'hui, qui font n'importe quoi. Alors quand on recherche une solution de l'équation d'Einstein sous forme d'une métrique, et lorsqu'on fait un choix de coordonnées, eh bien, il y a une sorte d'a priori sur la topologie. Si on prend un petit R ou un grand R et qu'on a l'impression que c'est une distance radiale, ben à ce moment-là, on s'imagine que la surface est contractile, ce qui n'est pas évident. Alors on voit ici sur la courbe que cette variable grand R, qui est une espèce de distance par rapport à un axe qui n'existe pas, que j'ai prise, eh ben ce n'est pas une variable qui convient. En particulier, à chaque fois que je donne une valeur de grand R, j'ai deux points au lieu d'un seul. Donc ce serait beaucoup mieux d'avoir une variable qui courrait le long de la courbe. Ça, ça serait pas mal, c'est-à-dire une variable qui aurait des valeurs négatives pour la branche inférieure, et puis positive pour la nappe supérieure, qui partirait de moins l'infini, qui serait nulle sur le cercle de gorge, et qui repartirait vers plus l'infini. Alors c'est ce que j'ai trouvé et publié dans un article de 2015, paru dans Modern Physics Letters A, avec un changement de variable magique, qui donne à ce moment-là cette expression de la métrique du diabolo 2D. Cette métrique étant régulière à ce moment-là pour toutes les valeurs de la variable ρ. Les internautes qui sont un peu intéressés par les sciences trouveront tout le matériel nécessaire dans le PDF que je joins. Ce qu'il faut retenir de tout ça, qui est absolument fondamental, c'est que ce diabolo, il existe indépendamment de l'espace dans lequel on le représente. Il n'a pas d'axe de symétrie. Ce diabolo, c'est un espace avec sa topologie, avec son invariance par rotation, et dans lequel on peut mettre des coordonnées comme ρ et φ. Et c'est tout. Mais cette image-là, même si elle montre sa parabole génératrice, est source d'erreur. En fait, le diabolo n'est pas borné. C'est un lieu de passage entre deux espaces bidimensionnels. Maintenant, quelles sont les propriétés géométriques de ces deux espaces bidimensionnels? Ça, on va le découvrir très facilement en revenant à sa métrique et en faisant tendre grand R vers l'infini. Alors quand grand R tend vers l'infini, ben c'est vite vu, vous avez un terme au dénominateur qui tend vers 0, et la métrique devient ds2 égale dr2 plus r2 dφ2. Et ça, eh bien, c'est la métrique d'un espace 2D euclidien en coordonnées polaires. Et on va montrer pourquoi. Alors, ceux qui sont allergiques à la trigonométrie ferment les yeux, sinon pour les autres, regardez, ça se fait en trois lignes. Bon, s'il y en a qui tiennent absolument à vérifier les calculs, ils n'ont qu'à prendre tout ce que je remonte actuellement sur l'écran, ils font des arrêts sur image, ils recopient sur une feuille de papier, ils verront qu'il y a des termes qui s'en vont, en plus, bon, il y a sinus carré phi plus cosinus carré phi, ça fait 1, donc voilà, on arrive au résultat. On voit que l'expression qui est à droite, c'est-à-dire dr2 plus r2 dφ2, ben, c'est simplement l'expression de la métrique en coordonnées polaires Rφ, alors qu'à gauche, elle est donnée en xy. Et là, on s'aperçoit qu'elle est euclidienne. Donc c'est bien la description d'un espace euclidien 2D. Ceux qui sont allergiques à la trigonométrie peuvent rouvrir les yeux.
Alors, la première idée qui vient à l'esprit dans cette image bidimensionnelle, c'est qu'on a un univers 2D, univers 1, et puis un univers 2, qui sont des plans, et puis il y a une espèce de tube là qui permet de passer de l'un à l'autre. Ça évoque un petit peu le thème de la science-fiction des univers parallèles. Et puis c'est aussi l'image que j'avais encore il y a quelques années, qui était introduite par Sakharov, celle d'univers jumeaux. Alors vous savez que si vous prenez une surface bidimensionnelle, eh ben, elle a un recto et un verso. Et d'ailleurs, ce thème du recto et du verso, c'est indépendant de l'espace de plongement. Eh bien là, on peut imaginer à ce moment-là que ce pont spatial soit en fait un trou. Alors à ce moment-là, ici en bas, j'ai une feuille de papier avec un trou. Et puis j'ai une particule qui rentre dans le trou par le recto et qui ressort par le verso, où j'ai mis une couleur différente. Alors là, j'ai fait figurer une surface avec un trou. Ici, j'ai une particule qui va rentrer dans le trou en suivant cette trajectoire, puis elle va pénétrer dans ce trou. Alors ensuite, je retourne la feuille et la particule ressort en inscrivant sa trajectoire sur le verso. Alors je reviens à l'image de tout à l'heure. Là, on est en deux dimensions, en bidimensionnel. Et en bidimensionnel, on imagine très bien qu'une surface, elle est un recto et un verso. Bref, maintenant, il faut imaginer qu'une hypersurface à 3, 4, 5, 19 dimensions peut avoir aussi un recto et un verso. Bon, tout ça sent le voyage interstellaire à un kilomètre, hein. Et évidemment, ce sera la fin de la série Janus. J'expliquerai un petit peu tout ça. Pour le moment, revenons à l'hypersurface à trois dimensions. Celle-ci est définie par sa métrique en R, θ, φ. On a vu que cette hypersurface n'était pas contractile. La surface 2D non plus n'est pas contractile. Alors, je la montre ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons que je trace des cercles comme ça, des cercles parallèles. Eh bien, j'ai un périmètre de cercle qui est de plus en plus petit, et à un moment, j'arrive à ce cercle rouge. Et là, c'est 2 pi alpha. C'est le cercle minimum. Et alors, pour pouvoir continuer, bah, il va falloir que j'aille de l'autre côté. Et à ce moment-là, je tracerai des cercles rouges qui auront des périmètres croissants. Alors en 3D, eh bien c'est des sphères. C'est-à-dire que vous prenez une sphère de rayon grand R, et puis vous en mettez une autre à l'intérieur, comme les poupées russes, un peu plus petit, un peu plus petite, et à un moment vous arrivez à une sphère qui a une aire 4 pi alpha 2, et c'est l'aire minimale. On appellera cette sphère-là une sphère de gorge. Et après, si vous voulez continuer au-delà, là vous êtes sur le verso, et la surface de la sphère croît. Et là, mes amis, je ne peux plus dessiner. On est dans du 3D. Donc c'est à vous de vous faire cette image dans votre tête. Il y en a pour qui c'est très facile, d'autres qui n'y arriveront jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui ont une imagination géométrique qui leur permet de concevoir ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe quand je fais tendre R vers l'infini? Eh bien, c'est très simple, le terme alpha sur R qui est au dénominateur, i devient nul. Eh bien, à ce moment-là, ma métrique se réduit à ça. Alors, je ne vous ferai pas le calcul, mais vous me croirez sur parole si je vous dis que ça, c'est la métrique d'un espace euclidien. Autrement dit, cette hypersurface à trois dimensions que nous venons d'étudier, elle réalise un passage entre le recto d'un univers euclidien tridimensionnel et son verso, à travers une sphère de gorge. Alors là, je vais vous laisser vous reposer un moment, et c'est pas une heure qu'il vous faudra, c'est carrément une nuit de sommeil. Mangez léger, et on verra ça tout ça demain matin. C'est la fin de la seconde partie de Janus 22.